tous. Cette première vidéo portera sur l'histoire d'un des champions provenant de la région Bandol, l'artilleur téméraire Corki. C'est parti ! Lorsque Heimerdinger et ses collègues Yordle partirent à Piltover, ils se consacrèrent à la science sans restriction et apportèrent immédiatement une grande contribution au progrès thaumaturgique. Les Yordle sont petits, mais ils ont des idées. Corki, l'artilleur téméraire, obtint son titre en testant l'une de leurs inventions, la machine destructrice de reconnaissance. Un appareil d'assaut aérien devenu la colonne vertébrale des forces expéditionnaires de Bandol, FEB. Corki et son escadrille, les serpents volants, écumaient les cieux de Valoran, surveillant les environs et effectuant des acrobaties à la grande joie des spectateurs. De tous les serpents volants, Corki est le plus célèbre pour sa bravoure et son sang-froid au combat. Il a enchaîné les tours de garde, se portait régulièrement volontaire pour collecter des informations ou remettre des messages derrière les lignes ennemies. Il adorait le danger et sautait sans hésiter un petit déjeuner pour livrer deux ou trois combats matinaux. Pilote émérite, Corki a également apporté plusieurs modifications à son appareil, dont tout un arsenal qui, selon certains, sert plus à épater la galerie qu'à réellement combattre. Lorsque les hostilités cessèrent, Corki dut prendre sa retraite, couper le moteur comme il disait. Il essaya de vivre d'autres sensations fortes en se contentant de faire des acrobaties ou des courses dans des canyons, mais rien ne pouvait lui faire oublier le doux parfum de la poudre. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça m'aiderait beaucoup. Mais avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous parler de deux choses. La toute première, c'est que j'ai mis en place un serveur Discord. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Le but de ce Discord, c'est avant tout de trouver des joueurs, échanger autour du cinéma, films, séries, animés. Si vous voulez un peu plus de signes de vie de ma part, allez sur mon Instagram. Alors, hormis les 15 000 photos où je fais la meuf, je vous présente aussi ma passion pour le cinéma. Je fais des dessins, de mes coups de cœur sur le cinéma. Alors, vous attendez pas à du grand art, c'est des dessins très minimalistes. Pour conclure cette vidéo, la prochaine vidéo portera sur un des 6 derniers champions sortis par elle. Et je vous dis à la prochaine.